l'idée de base de ce film-là, dès le départ, c'était de raconter un conte de Noël. Un conte de Noël moderne. Cadré, action. C'est l'histoire d'un enfant qui croit au Père Noël, qui le prie, et tout d'un coup, sa prière est exaucée, le Père Noël apparaît. Et donc il va se retrouver avec son petit garçon qui au début pour lui va être juste un pur boulet. Quand tu vas, Alex. Action. Eh, tu bouges maintenant. Pourquoi tu me donnes pas mes cadeaux? Je suis pas le Père Noël. Après ça va être simplement une sorte d'outil pour cambrioler. C'est petit, c'est doré, mais c'est pas de l'or. Leur relation au début, c'est deux enfants qui se parlent, ils se font des prises de tête d'enfance. T'es fâché? Ouais, je suis fâché. T'es l'apprenti le plus naze que j'ai jamais eu. Et puis en fin de compte, au fur et à mesure, sans qu'ils s'en rendent compte, ils vont devenir amis. Ah, oublie ce que je t'ai dit, c'est bon, excuse-moi. Et ça va être une espèce de fable sur la filiation, sur Noël, sur finalement l'accomplissement d'un enfant et l'accomplissement d'un adulte. Par ce sapin sacré, je te fais apprenti officiel du Père Noël. Oui, parfait ça, super. Bah, et tard, il a un truc de charme, il est très solaire en fait. Et puis en fin de compte, bah, c'est vrai que ça rejaillit dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. C'est vrai que t'es le Père Noël? Comment que je suis le Père Noël? Attends, c'est mon super pote. Et moi, j'avais vraiment envie de partir sur un jeune mec qui avait la trentaine. J'avais envie de quelqu'un de nouveau. C'est toujours intéressant de travailler avec des gens qui n'ont pas forcément fait de la comédie ou en tout cas qui ne sont peut-être pas attendus dans ces rôles. Joyeux Noël! Joyeux Noël, mes enfants! J'en avais entendu parler de ce projet. Et un jour, mon ami m'envoie ça. Et dès que je l'ai terminé, j'ai trouvé ça tellement bien que tout de suite, j'ai appelé Alexandre et je lui ai dit « Ok, je le fais. » Rencontrer un mec comme Tar, ça donne vraiment envie de travailler avec lui et d'écrire pour lui. Et ton père à toi, il s'appelait comment? J'ai pas de père, moi. Comme moi. J'ai senti que moi qui avais envie de faire de la comédie, que dans ce projet-là, il y avait tout ce que je recherchais, moi. C'est-à-dire la construction d'un personnage, la légèreté et puis quelque chose d'original. Pour les enfants, il y aura la vraie notion de conte, d'aventure au niveau d'un enfant de 6 ans et demi. J'espère qu'au niveau d'adultes, derrière tout ça, il y a peut-être des choses intéressantes à découvrir et à vivre. T'es pas le vrai Père Noël.